Où est la chambre? Visite guidée avec Clémentine de sa chambre qu'elle a personnalisée. La Reine des Neiges. La Reine des Neiges. Là, toutes les chambres sont à peu près pareilles. Elles ont chacun aussi un espace privatif, une salle de bain. Tu nous fais voir ta salle de bain, Clémentine? Oui. Ils sont 12 résidents, comme Clémentine, de jeunes adultes autistes à vivre dans cette nouvelle structure. Ce foyer médicalisé propose deux maisons. Les chambres individuelles s'y articulent autour de pièces communes où la vie s'organise depuis l'ouverture, voilà 6 mois. Il a fallu passer par une phase où on s'apprivoisait presque l'un l'autre. Au jour d'aujourd'hui, on estime qu'on les connaît bien, on les connaît mieux, en lien aussi avec tout le travail extraordinaire qu'on fait avec les parents. Et ça nous permet de beaucoup mieux structurer leur quotidien et de vraiment être, d'avoir une palette de propositions beaucoup plus intéressante pour tout le monde. Ici, chaque résident vit à son rythme et suit un emploi du temps personnalisé, du sur-mesure affiché en pictogramme. C'est des repères pour eux. Il faut que ce soit vraiment clair, très cadré, parce que sinon, pour eux, c'est déroutant. Enfin, voilà, il faut que chaque action ait une image pour pouvoir se repérer et savoir où ils vont aller, savoir ce qu'ils vont faire. Confort et qualité de vie sont au cœur de ce projet. Les bâtiments accueillent un espace sportif, des salles de créativité, d'informatique et même, comme celle-ci, de bien-être sensoriel. On va essayer de trouver les choses qui les intéressent pour le reprendre ensuite à l'extérieur, leur procurer du plaisir à travers les aspects sensoriels qu'on n'imagine pas toujours forcément au premier regard. Ce foyer financé par le département, l'Agence régionale de santé et l'Association pour le développement, l'insertion et l'accompagnement de personnes handicapées est la seule création de structure dans l'ancienne Aquitaine du dernier plan autiste. Il est déjà complet et avec les 23 ans de moyenne d'âge de ses résidents, devrait le rester longtemps.